Ce soir, on va jouer à Anno avec Kenny. On va tester le nouveau DLC, la Terre des Lions, mais aussi le DLC d'avant qui était celui de l'agriculture avec le Capitole et les tracteurs. Alors, on va voir un peu comment ça se passe. Et on avait décidé avec Kenny pour cette soirée de pas jouer contre, mais ensemble, histoire qu'on découvre les nouvelles features ensemble. Alors, juste, je sais pas si on joue en mode Archonte, Argonaute, c'est-à-dire à deux sur la même base, ou si on fait chacun notre base. Oui. Oui. Moi, je pense qu'on devrait peut-être jouer sur la même base. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Tu sais, la même chose. Ouais, la dernière game qu'on avait fait, tu te rappelles, toi t'avais pris l'expand ou moi j'avais pris l'expand, je crois. Et il y en avait un qui faisait la base principale. Mais go Archonte, c'est trop marrant et on met que des Yatrous en face. Alors, on est quand même sur une regame, hein, donc faut qu'on se remette dans le bain. Mais ouais, c'est possible. Je t'ai invité. Attends, mais moi j'ai même pas fait ma scène de jeu. Moi, tout est vrai, là je suis vrai, moi. Bon, tu sais, 22, la game est pas lancée, franchement je suis bon, je sais pas dire, si bon, tu sais Kenny, mais là depuis environ 3 minutes je vends des cuvettes de toilettes ZT sur ma boutique. Ah oui, c'est vrai, putain, que j'ai vu ça. Attends. C'est insane ce qui se passe en fait sur ce live. Donc voilà, donc les gens se les arrachent, hein, c'est exceptionnel. Voilà. Non mais c'est ouf. Apparemment il n'y en a plus, ce serait déjà épuisé visiblement. Voilà, elle est épuisée. Ah ouais, elle est épuisée. Vraiment trop marrant, putain. Oh non. La cuvette, c'était... C'est fatigant, vraiment. C'est formidable. Hein. Attendez, faut que je fasse un tweet, quand même. Vraiment, combien de temps ça a tenu? Bah écoute, c'était en vente à 20h. Donc voilà, il y en avait 50. Après, bon, tu fais le mec, mais t'en avais une en vente, en vrai. J'en ai une, moi. J'en ai une, là. Il se l'est acheté, il a acheté la cuvette. En fait, il y en avait qu'une en vente, ouais. Il n'a plus, dommage. Allez voir le magnifique tweet que je viens de faire, mesdames et messieurs. C'est vraiment un top tweet. Je pense que c'est vraiment un top tweet. On est sur du très très haut niveau. Son troisième titre. En termes de hype. Merci pour les 3 ans de sub. Merci beaucoup. Soon a 300 balles sur le bon coin. Non. On les retrouvera. Faut que les gens les reçoivent déjà pour qu'ils aient la photo en mode c'est bon, je l'ai bien en vente. Bon alors, on va tweeter Anno 1800, la Terre des Lions. Oh oui. Avec Kenny Stream. Ce serait énorme que, genre, on n'arrive pas au DLC parce qu'on perde la game avant. C'était vraiment le live que tous les habitants de Rochefourchat attendaient. T'es chiant avec ça. Il est trop chiant. Le village de 1 habitant. D'ailleurs, ils sont là sur le chat. Ils sont tous là. Il est là. Salut à toi. Oh putain. Bon, allez. Bref. Bref. Tu m'as invité. Donc c'est toi qui vas setup la game. Moi je suis pour. Ouais. Ah oui, putain, je l'ai pas setup entre deux. Je parlais, mais j'ai rien fait. Allez hop, le bouffe. Allez. Oh non, on s'entend. Merde. Oh non, comment on fait? Attends, muted. Oublié. Hop, muted. C'est bon. C'est bon. Attendez, je vous affiche le game. Ajoutez une IA. On met des IA 2 étoiles, pas 3 étoiles, hein. Ouais, je pense. Ouais. De toute façon, le but, c'est pas vraiment qu'on se batte contre les IA, c'est qu'on découvre les lions. C'est un jeu de chillax, vous allez voir. Vous connaissez pas Anno? Si vous connaissez pas Anno, vous allez voir, c'est perfect comme jeu. Vous allez vraiment... Posez-vous tranquillement. C'est parfait. Prenez-vous un petit verre d'eau devant la cheminée et... Oui. Vraiment, vous allez... En vrai, je sais pas si j'ai envie de changer grand chose dans les settings. Parce que ouais. Les conditions de victoire, on n'en met pas. Les conditions de départ, navire amiral, port de départ, on n'en met pas. On va chercher notre île ou on met un port de départ? Je pense qu'on met un port de départ. On met un port de départ. Parce que tu sais, les IA, elles savent où sont les trucs intéressants. C'est donc, vrai. Donc si on met pas de port de départ, on va se retrouver sur une île avec rien. Et elles ont des APM amiral. Non négligeables aussi. Bah du coup on part sur un port total pour avoir de quoi expandre direct. Je pense. C'est pas standard. Ouais, je pense. Carte révélée, non, on va quand même un peu explo. Je pense que tu devrais mettre une IA en 1, une IA en 2, une IA en 3. Ah ouais, moi j'avoue... Pour le maxi fun, tu vois. Ok, vas-y, modifier et on partira sur Lady Margaret Thatcher. Lady Margaret Thatcher. Pas du tout. Amiral. Putain, on joue l'amiral, c'est ouf. C'est dans ce jeu que l'IA cheat. L'IA cheat, vite fait. Vous jouez à deux sur la même base, mon rêve. Exactement. Oui.
Vous avez vu, j'ai un DLC de plus que Kenny. Quel gros bouffon, franchement. Pourquoi j'ai pas l'anarchiste? Parce que c'était temporaire. Tu peux plus l'avoir. Super. Un pay to win. Parfait. C'est énorme. Les couleurs se ressemblent trop. Ah, c'est vrai. Tout le monde est vert, tout le monde est bleu. Kenny. Ah oui. Change, oui. change. Comment je change les couleurs de quelqu'un? Je sais pas si je peux changer les couleurs. L'IA cheat carrément, l'économie n'a aucun sens. Non mais écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'une IA qui cheat ça nous fait peur nous? Est-ce que... Je vais lui offrir des cadeaux, c'est moi qui gère la diplomatie quand je joue avec Kenny, vous allez voir. Hop là, voilà. Comme vous ça. Allez voir. Putain, l'amiral Vincente Silva. Amiral Vincente. Bleu et bleu, après c'est l'IA 1, elle sera très bleu vite out du game quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, voyons voir par exemple Alonso Grave. Voilà, parfait. Parfait. Alonso Graves. Non, mais le problème c'était Bente Jorgensen. Ah ouais? Parce que là, du coup, nous on est bleu. Bah, on est bleu, elle est turquoise. Je sais pas. Ah, on s'en fout oui, après. Hein. Nous, je regardais les deux à côté. Non, non, mais on peut mettre Beryl O'Mara par exemple. Voilà, ah, voilà là, parfait. On parle. Alors, on joue là, donc avec le DLC Trésor Englouti, Botanique, Le Passage, Capitole, Révolution Agricole et Terre des Lions. Vous nous avez vu jouer à tous les DLC sauf Révolution Agricole et Terre des Lions. On avait fait le DLC Capitole avec, souvenez-vous, l'exposition universelle. Tu t'en souviens, Kenny, bien sûr. Oui, évidemment. Cette fameuse exposition universelle qui était sacrément longue à faire, mais on avait pu. Et voilà. Alors, c'est un jeu qu'on adore. Je rappelle quand même je rappelle quand même vite fait que ce n'est pas une OPSP. Hein. On adore ce jeu et on y a beaucoup joué avec Kenny. On a une centaine d'heures quasiment en coop. Et voilà. Le squad stream est actif, évidemment. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je savais qu'on pouvait compter sur cette équipe. Je savais. Moi, je. Allez, on joue. Non, mais attends, voilà. Allez, c'est bon. Commencez la partie. Donc, t'as fait quoi? T'as mis taille non, du j'ai monde, modifié parce que je sais pas, j'avais absolument envie d'avoir dans la line-up une femme et j'arrivais pas à trouver une femme avec une couleur qui ne ressemblait pas à la nôtre. Voilà, c'est tout. Ok. Du coup, j'ai trouvé le setup avec bleu, gris, jaune, enfin noir, jaune et rose. Donc, t'as mis taille du monde minime, difficulté de l'île normale, gisements minéraux normaux, type de carte archipel, revenu élevé, entretien des bâtiments inactifs non, réapprovisionnement des comptoirs fréquents, incident urbain facile, fréquence des quêtes fréquents, influence. Fréquence des quêtes, ouais, ok. Influence élevée, navire de départ, amiral, non, très bien. Donc, y'a pas de condition de victoire là? Ou non, bah non. Ouais, on s'arrête quand on veut, quoi, ok. Ouais, on s'arrête quand on veut, quand on a dit, ok, c'était sympa, bon DLC, c'était cool. Alors, sachant que, mesdames et messieurs, là, en gros, on met une game avec un setup un peu facile, entre guillemets, parce que comme on joue que contre des IA et que les IA niveau 3 cheat, et ben il faut qu'on puisse se battre un petit peu. Bon, cela dit, moi, j'ai aucune idée de comment ça se passe, et ça se trouve, on va se faire atomiser. Ouais, mais si au moins on voit les tracteurs et un lion, c'est pas mal déjà. Si on voit un tracteur et un lion. Allez, on y va, c'est parti. Je suis prêt. Vas-y, let's go. J'ai lancé. Il y a en hard après des mois sans jouer. Ah non, mais ça, je pense qu'il y a moyen que ce soit terrible, on verra. J'ai pas le jeu sur mon SSD, donc on devrait rejoindre la game d'ici 21h normalement. Ouais. Alors combien de temps on va jouer pour ceux qui se demandent? On va faire une game, je pense. L'idée c'est de voir tout le contenu du DLC. Après, à voir si on s'arrête plutôt à minuit ou plutôt à 5h, quoi. C'est plutôt ça l'histoire. Mais on n'a pas de rythme imposé. Je pense pas qu'on fera deux games ou deux soirées. L'idée c'est d'essayer de tout voir en un soir. C'est parti, on y va! Je peux plus parler de. Est-ce que j'ai de quoi? Non, j'ai de quoi expandre, je me casse. Adieu. Oh là là, le rêve. Ok, je me souviens de rien. Moi non plus. Attends, si. Comment c'est R pour moi? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est clic molette. Je mets pour... déjà un contrôle 2 en fait sur le support, comme ça je peux revenir. Je me souviens de rien, j'avais des optis trop bien et tout. Je me souvenais de tout. Oh, c'est impossible. Il y a un mec, je suis arrivé, il a dit faut rename les îles. Direct. Montpellier. Castelnau. Montpellier. C'est tout de suite Montpellier, l'île principale, mesdames et messieurs. L'île de Montpellier. L'île de Montpellier, évidemment. L'île de Montpellier, évidemment. Ah, une idée de fou de toi, Kego, dans mon chat qui me dit Gofer une île avec un habitant et on l'appelle Roche-Fourchin. Alors attention, parce que, attends, au lieu de dire des conneries, moi, typiquement, il faut que tu vois qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'autre île. Parce qu'à Montpellier, il y a fourrure, houblon, donc bière, céréales, machin. Donc il faudrait que tu trouves des poivrons. Genre pas l'île ou tel, là c'est pas ouf. Ouais, là ça c'est de la merde ça. Ah mais attends, est-ce qu'il y aura de quoi expand? Parce qu'on a pire, t'as pris taille de l'île minime. Non, taille du monde effectivement minime, mais normalement il y a forcément une île par joueur qui permet d'expand avec poivron. Vous avez franchi une nouvelle normalement. Étape. J'ai franchi une nouvelle étape. L'ère de l'agriculture, nous sommes en slip désormais. Bon écoute, on j'ai va, on va pas voir. Mal, là que je viens de découvrir. Kenny, je tente de placer des maisons. Roche-Fourchin là. Ah ça y est, c'est loose. Où il vous en coûtera.
Ah, c'est un Arlok. Après, ça va, elle est bien placée. S'il te plaît, perds pas ton bateau, s'il te plaît. Imagine, je perds mon bateau. Non, pitié, s'il te plaît. Vare-toi vers le nord, vers le nord. Non, je peux pas, là, je vais scouter vers l'est. Mais à l'est, il y a forcément rien. Quel idiot. Oh là là. Ok. Il a peut-être raison, en vrai. Hey, oh mec, c'est pour jouer quoi, comme hein. Ça, Goristar. Ah oui, oh, il fallait du bois. Oh putain, je viens de me souvenir. Énorme. Tu peux faire un truc pour Lincom, s'il te plaît, mec. Ah ouais, putain, Lincom. Oh, je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Il fallait du bois, je me souviens de ça. Oui, et donc, l'entrepôt... Là. L'entrepôt, c'était... 18. Qu'est-ce qu'il fait? Tu supprimes des trucs chez moi, là? Non, j'ai posé un entrepôt et je les délaisse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pitié. Alors attends, il fallait du bois, mais à l'autre bout de l'île, je me souviens, parce qu'on s'en foutait et que voilà. Ouais, je me souviens très bien de tout ça. Oui. Ouais, et en plus, on a 1 milliard de gold. Non, mais c'est parfait. C'est de la merde, cette île, donnez-moi quelque chose. Il me faut à boire. Alors, j'ai du raisin et des pots, mais on s'en fout. Ah mais putain, il y avait une île juste à côté, je l'ai pas trouvé. Mais c'est l'angoisse, là. Deux. Non, t'inquiète. Mais y'a rien, Ça coûte du bois? Non, voilà, ça en coûte pas. Et parce que voilà, il va en falloir 4. Très bien. Le vent, il vient d'où? Ah, mais on n'a pas du tout le vent en plus. C'est... Ouais, dans tous les jeux où il y a des bateaux, on n'a jamais le vent. Et en général, quand on va dans le sens contraire du vent, c'est par là qu'il faut aller. En général. Général! Ok. Bon, bah écoute, j'explore par là, on verra bien si on trouve une île, hein. Bon, écoute, j'ai improvisé un début, on verra, hein. Bonne chance. Oh, poivron. Ah, il y a les poissons également, j'ai oublié mais les poissons. Mais nos patates. Oh, c'est une belle île, dis donc. Ouais, t'as un truc, là? Oh, une île de malade. Parfait. Oh ouais, île de malade. Bon, vous pouvez évidemment backseater, hein, parce que là, on est sur un début de game, mais on connaît tout. Ce sera pas du backseat, ce sera de la remémoration. Oh, ah ouais, ton île est parfaite là. En plus, t'as du cuivre, du bon char. Non, c'est parfait. Moi j'ai du pétrole, moi j'ai du troll P. T'as quand même de la fertilité, du houblon. Ouais, t'es bien. Ouais, build. Parti. Ouais. Ah, par contre, est-ce que t'as un peu de bois? Ouais, c'est bon, ok. Je continue de scout, j'envoie le navire amiral. Par pitié, backseater. Il va falloir bosser un petit peu là parce que j'avoue que. Ok. C'est quoi le pattern? Tout oublié. Regarde un peu mon île, j'ai fait des trucs, c'est pas... Peut-être pas l'idéal, mais j'ai fait des trucs. Par contre, je te conseille au tout début, parce que toi t'es sur une île où il y aura moins, je pense. Fais peut-être 2 trucs de bois et 2 scieries. Au lieu de... Son troisième titre ! Merci pour les 3 ans de sub ! C'est compliqué, Là, Lincom, on va se faire sécher. Hein. Ouais, non mais normal. Non mais on a plein de gold pour débuter, c'est l'avantage, mec. Donc tranquille. Donc pour ceux qui débarquent, on est en train de jouer à Anno 1800, on joue sur la même île, donc on gère la même base, sauf que Kenny, lui, il joue son île numéro 2 qui s'appelle pour l'instant Raspberry, mais qui va être rename, j'en suis sûr, dans très peu de temps, et Montpellier, c'est géré par moi-même. Le backseat, oublie pas Lincom. Ouais, merci les gars. Merci beaucoup. Pénurie de marchandises, bon ça va le faire, hein. Pas fou la place de ta cam. Alors... Le problème c'est que où est-ce qu'on place la cam dans ce jeu? Parce que moi avant j'étais en fond vert. Pff, imaginez. Hold. T'as mis où ta cam toi? J'avoue que je l'ai mis à gauche au-dessus de la minimap et je sais pas si ça cache des trucs. De ouais, j'aime pas la mettre trop haute, mais bon c'est pas grave. Vas-y. On va la mettre là. Je pense que là c'est pas mal. En haut de la minimap. Ouais, ça me paraît bien. Top right. Et non, top right y a des trucs. Je pense que là c'est pas mal. Les iris, faut pas les mettre au milieu des forêts. Non, parce que c'est pas grave, ils replantent si jamais y a pas. Donc là j'ai pris à côté de la brique. Tranquille. Y a de la patate, y a du truc. T'as de la patate chez toi? Ouais, t'as de la patate. Les IA ils font quoi? De la patate? Non, j'en ai pas. Si t'as de la patate non? C'est, ah merde, c'est le t'en seul as truc pas. Que j'ai pas. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Ok, donc ça va. Je risque pas de trouver un Arlo, donc je continue de scout. Il faut que je trouve la prison, souviens-toi, pour vendre du savon. Madame Karina, du savon avec du savon. Du savon. N'oublie pas que quand t'as pas de ressources, ça te met le patron du bâtiment. Ouais, ça c'est bon. Ça me met en mode architecte. Ça je me souviens. D'ailleurs, je crois que. Merde, espace, c'est pas cette. Oh, d'ailleurs, il est où? Il est où le nouveau monde? Le roi lion, il est où? Bah, ça doit être là, hein. Je pense que c'est là à 100%. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok. Il y a encore les mots de savon, c'est énorme.
Pour faire des ouvriers, il te faudra de la patate. Ah, mais tu vas vraiment galérer. Ah non, il faut des vêtements. Ah oui, c'est non, vrai, les gens patate, sont tout nus. C'est additionnel. C'est additionnel, la patate. C'est pour les revenus. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, les gens sont juste à poil chez moi, là. Ils veulent juste du poisson et des fringues. Ils veulent juste du poisson et des fringues, ce qui est un besoin, voilà, ce qui est logique. Logique, en vrai. Les briques, on en a où? On en a là, là et là. Briques. Ok. Et bah là, on va mettre un entrepôt. Alors tout on à l'heure. On se met en mode architectos. Ouais, c'est ça, faut tout faire en architectos. Il faut que tu cliques sur. Sur je sais plus. En bas à droite des builders. Oui. C'est ça, il y a un petit bouton maison là. Petit bouton maison. Et là, je te prépare un layout au petit. Un layout de cochon. On se met. Au pire, tu fais plus de patates et Kenny vient chercher chez toi. Non, mais évidemment. Évidemment. Les animaux. C'est U comme upgrade. Il manque beaucoup là. Pourquoi? De l'eau de vie, des patates, ouais, rien que de l'eau de vie, de l'eau de là-haut. Ça manque d'ouvriers, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en shut down une ou deux. Hop, ça avance quand même, il me manque 17. C'est bon, je suis reparti là, je suis dedans là, Kenny, je suis dedans. Oh, je suis à fond moi aussi. Oh, il y a une quête. Je suis dedans, c'est bon là. Une quête. Quelle est la quête? Bien commencer quelque part. Comme ça coûte du bois, fait. Oh non, facile, une quête de livraison. Livraison, c'est chaud, hein, au début. Ah ouais? Ouais, nique pas notre répute, hein. Mais toi, t'es en pause. Toi, t'es en pause. Toi aussi, t'es en pause. Vous êtes tous en pause là. Attendez, on l'entrepôt. Si t'accepte ou si on refuse. C'est toi qui prends la décision. On refuse. Vous me décevez. Ouais, vous me décevez. Oh. Mordez la main qui vous nourrit. Oh putain. S pour street, contrôle S pour route pavée. Non, mais les gars, on n'en est pas là. S pour street. S for street. Le pub. J'ai oublié le pub? Tout à fait. Mais attends, non, mais deux secondes. Non, mais s'il vous plaît. Pitié. Souvenez-vous que dans ce jeu, au tout début, on attend juste du bois pendant 40 minutes. Oui, non, mais oui, c'est ça. Notre core gameplay, au départ, c'est attendre. Comment ça, il n'y a pas de matière première? Elle arrive, deux secondes. Oh là là. Oh là là. Oh la musique, putain la musique. Alors, je suis en forte baisse en termes de bois, je comprends pas pourquoi. Ouais bah normal hein. En même temps. Ok, de la patate. C'est quoi le but du jeu? Gagner. Non mais c'est honnêtement, c'est quoi le but du jeu? C'est développer son île. Et réussir à dominer soit économiquement, soit militairement les autres. Soit économiquement pour leur racheter leurs îles, soit militairement pour détruire leurs îles. Ou les deux, si vraiment tu joues contre Kenny, quoi, tu vois. Ah, ok. Ok, ouais, c'est cool. Ok. Un peu fort, la musique. Ça va. But du jeu, s'amuser. Mais non, c'est pas s'amuser, par contre, c'est gagner. Ah oui, mais faut regarder les prods. Oui, voilà, c'est ça que j'avais pas regardé. 15, ok, c'est bon. Les premiers, les vêtements, putain, je me souviens de rien, au secours. Mais comment on peut être en pénurie de marchandises? Expliquez-moi, j'espère. Les gens se moquent déjà de moi, là, dans le jeu, là. Sa Majesté compte sur moi pour emprisonner quiconque enfreint ses lois. Mais oui, comment ça? Ah oui, on a la prison. Vous ne faites pas ouais, la prison, c'est bon. Honor, les patates, on peut vendre des patates. La prison, souviens-toi, c'est le core income. Ouais, ça m'est très très bien. Allez, on achète une part instantanément sur son île. Pitié. Mec, bam, 36 000 balles. Pitié, bam. Kenny, l'argent. Sûr, on avait tous nos strats. Il y avait la vente de savon, il y avait le spamming des clippers à revendre et tout. Il y avait tellement de trucs. Toi, tu faisais les clippers, c'est vrai. C'est un plaisir de te rencontrer, trésor. Ça coûte que deux, mais on y va alors. Reste toujours sur Berylomara. Ah, c'est 10 de bois le pub, hein. Ouais, je me souviens de cette merde. McGonagall. Ah oui, et là on peut pas parce que le pub c'est pas symétrique. Je me souviens de ça. Il faut faire double ration de route. Oh là là, regardez-moi ce jeu, c'est beau. Hein. Si, c'est beau quand même. On va le faire là quand même. Ils vendent des objets déjà? Toutes les briqueteries. Voilà, la petite rangée d'arbres, évidemment. Oh, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai de la brique? Ouais, j'en ai un peu. La main d'œuvre, je crois que c'est une catastrophe chez moi, non? Ouais, on dirait, hein. Faire d'autres maisons.
Je me souviens plus où voit la main d'œuvre. Je me souviens de rien. Salut. Salut à tous. La main d'œuvre, c'est en haut. 183 sur 240. Non, mais je me souviens plus de comment on voit. Est-ce que j'ai besoin de gens ou pas? Je me souviens de rien. C'est énorme. 240. Bah c'est juste au, ah, c'est au milieu, en haut. En haut, oui, moins en haut, 186. Milieu, énorme. Pardon, je me souvenais même pas de ce truc basique. Merci basique. Bon, ça c'est bon. Merci basique pour ton sub d'ailleurs. Merci à basique. Ah comme quoi, hein. Comme quoi, il reste des souvenirs mais lointains, lointains. C'est bon, on va commencer à faire de la presqu'île. Putain, Kenny qui a découvert toute la map. Regardez ça, c'est les IA qui sont trop nuls, ça choque. Bon, elles ont déjà des ouvriers, elles ont fait du rush ouvrier, mais en fait on a pas trop besoin de rusher l'ouvriage. T'as fait quoi, Kenny? Toi, t'as rushé l'ouvrier aussi? Ouais, non. Hein, non, voilà. Non, non. T'as fait du layout, t'as tout. Tu t'es... Oui. On se régale. Principalement de mon côté, on se régale. On s'est régalé. Est-ce qu'il y a des vêtements? Non, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Énorme. Merci pour le sub. Bien, bien, tu te débrouilles bien. Ah, c'est gentil. D'accord, c'est pas une ressource à avoir sur son île. De quoi? Les vêtements, ça se génère. C'est pas une ressource à avoir sur son île. Tout à fait, Kenny, tout à fait. J'avais peur de pas mal comprendre ta question, mais tu as raison. Et c'est trop cool parce que du coup, pour passer de l'autre côté de mon île, ça va me coûter 20 bois pour faire un petit pont là. C'est pas trop cool ça? C'est pas trop stylé, sérieux? Ça, je pourrais peut-être t'en amener à mon avis. Non, mais ça va, ça commence à prod, mais je te cache pas que ouais, moi là, je vais être limité en place assez vite. Mais c'est pas gravissime, de toute façon, moi, mon but, ça va être d'utiliser. Donc la prison est où? Elle est là. Le poivron principalement et les fourrures, il va t'en falloir un maximum. Et en fait, à un moment, je vais même pouvoir probablement délaître mes scieries en fait, parce que tu vas en produire assez, non? Ouais, alors après, attention, hein, parce que tu sais que dans l'avenir lointain, c'est embarcadère, île ouvrier, île fermier man, tout ça, tu te rappelles, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai un feu là? Pourquoi ça. Qu'est-ce que j'ai prévu? Déjà? Je sais pas, il y a une musique étrange. Ah, toi aussi t'as la musique quand tu rentres dans Gamer? Ouais, exactement, ouais. Là, je suis hors gris, là. J'avais oublié qu'il y avait des orques. Il y a des orques chez moi, je crois. Des orques chez moi. Il doit y avoir des orques ou un truc comme ça. Non, c'est la musique de la prison, je crois que j'ai cliqué sur la prison, c'est tout, voilà. Ouais, c'est un truc un peu vénère. Quoi? Quoi? Je peux le faire. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. L'onglet de production. On se souvient de l'onglet de production? Génial. On se souvient de l'onglet de prod, tout à fait, et on voit que quoi? Il faut René Mille. Ah oui, il faut René Mille, pardon. Si nous nous revoyons, je vous ferai découvrir à quel point la torture est un art délicieux. Oui. Simplement avec une plume. Oui. Oui, plume dans le cul. Je comprends bien. 1 milliard de frites! Du Anno Studio, bah, ça va, et refaites, amusez-vous bien. Allez, merci beaucoup, Sakados the Skinco, the Skin Tone. C'est combien? C'est. Je vois pas la main d'œuvre. Ok, je sais pas lire. C'est ça. Mais pourquoi il dit. Mais non, mais approvisionnement, c'est correct, c'est correct. La poiscaille, c'est non. Non, 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 c'est bon. Arrête de dire n'importe quoi, ça me saoule ça. T'as fait des pompiers direct, hein, t'es tryharder. Hein. Oh, try. Mais pas du tout, tu regardes pas la bonne île, c'est dingue ça. Il a pas fait de pompier, quel bouffon. Ah ouais, je préfère là. Ah voilà. Là oui. Je plaisante, Kenny, je plaisante. C'est juste que oh là là, putain, on joue à Anno, putain la vache. Attendez, bonheur, ouais. Et souviens-toi, le bonheur des habitants, c'est Lincom. Souviens de ça. Oui. Très bien. Et Lincom, pour l'instant, c'est pas le danger, mais il va falloir y penser rapidement quand même. Oui. Non, mais Lincom, c'est toujours une priorité finalement. Et on s'en sortira assez bien. Je vais avoir l'ouvrier bientôt là. Faut que je fasse quelques fermiers. Mais c'est en train d'arriver. Hein, c'est en train d'arriver. Le bonheur, c'est Abraham Lincoln. Non. Calmez-vous. Non, mais là, de toute façon, là, bah ouais, hein, on a du bois. Allez, on y va. Hein. Paf, on y va. Ça y est, on va commencer à faire le tiercar résidentiel. Évident. Voilà, je vais tout explorer. Inquiète chez toi. Ah, voilà. Hop, j'ai accès aux ouvriers. On va donc faire les doubles rations de briques. Alors doucement quand même, parce qu'il faut pas... Direct les briques? Non, mais tu sais, j'en fais une, histoire que... Que ça rentre, en attendant. Ça rentre un peu, ouais. Oui, pénurie de matière première, mais c'est normal. Comment ça, 3 sur 5? Toi, on va te mettre ici. Ah, mais tu peux changer le skin des trucs.
Oh, c'est trop bien, je savais pas ça. Comment ça? En gros, regarde, dans tes bergeries, là où tu as posé tes moutons, tu peux changer le skin de la tuile pour aménager comme tu veux. Quoi? Comment? Clique sur une des tuiles de moutons là où tu as posé les bergeries, et en fait, en bas à droite, tu peux changer la tuile. T'as 5 tuiles différentes. Jure! Mais ça sert à rien, non? Non, ça sert à rien, c'est pour le skin, mais pour les gens qui ont envie de faire une belle vie. Ouais, c'est vrai. Non, mais tout compte, t'as raison. Ah, c'est pas mal, hein? Non, si, c'est pas mal, en c'est fait. C'est pareil ça, avec ça les maisons bien. Et les dépôts. Hein? Comment ça, les maisons? Les maisons? Menteur. Non, c'est un menteur. Menteur. Quand c'est pas à mentir, hein. Les gens sur le chat, j'avais jamais vu ça! OMG! Quoi? Si, MHV, clique sur un bâtiment, MHV. Quoi, MHV? Sur une maison. Oh merde. Tu changes le layout. Ah ouais! Ça fait du sens, juste. C'est énorme! Ça change le layout. Attends, faut que je trouve des animaux de ferme là, je te parle après. Trouver! Hop, maître d'équipage! Ralenti par les dégâts, moins 40%. Pouf! Ça, c'est pour nous, c'est to the bank. Souviens-toi, les routes en briques, ça booste la prod. Je peux pas te l'expliquer. Putain, c'est vrai ce truc. Putain. Je suis toujours convaincu que c'est un mensonge, mais tranquille. Je vais quand même en faire. Pourtant, je te l'ai beaucoup expliqué, hein. Tu peux augmenter la prod des bâtiments cliquant sur la main d'œuvre. Oui, mais ça on le fait pas. Comment ça vous avez pas assez de fringues, vous mentez là? On est quand même pas des débutants, les amis. Voilà. On a oublié des choses, mais il y a des choses qui ne s'oublient pas. Comme par exemple le fait qu'il faut pas trop augmenter la prod, sinon votre bonheur chute en flèche. Le skin pack de pelouse. C'est vrai qu'il faut 4 de bois pour une maison ouvrière. Merci pour le tier 3! Ok. Bouliateur, merci beaucoup pour le tier 3. Route en briques égale, les chariots vont plus vite des bâtiments au dépôt. Non, mais c'est ce que tu penses. Ah putain, non! Il recommence à faire chier. Tarina Imlil, roche pour chat, voilà, parfait. Casse les couilles. J'adore cette blague. On va refaire un entrepôt direct. Oublie pas, plutôt qu'un entrepôt tier 2, refais des tiers 1. Un entrepôt tier 2. T'as entendu ce que je lui ai dit là ou... Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas la ref. Un entrepôt tier 2, fais des tiers 1. Non, au lieu de faire des entrepôts tiers 2, si tu peux, fais plutôt deux entrepôts tiers 1. Oui, c'est moins cher et c'est même merde. Exact. Les chariots en plus, bien plus tard. Ouais. Des petits coups de diplomatie avec R, ah, ça c'est bien vu, putain ça c'est très très bien vu. Notamment avec Anarlo qui va nous faire ultra chier. Si jamais on commence pas tout de suite. Pas traiter de paix ou cesser le feu. Par contre, il faut lui donner des briques. Non, je sais plus comment on fait. Je vais passer ouvrier là aussi de mon côté du coup. Mais en fait, je me demande si j'ai vraiment besoin. Ah voilà. Je vais faire des briques. Oui, ouvrier, si j'ai besoin quand même, il me faut des briques. Parce que tout le monde sait que les pirates aiment les pièces d'or. Hein? Okay. Merde! Oh non, je demande des quêtes au lieu de faire un don. Merde! Récupération, ça c'est faisable. Rien d'insurmontable, tu verras. Mon trésor! Où est votre sens de la décadence? Il leur faut le pub. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont besoin d'un pub. Chance de réussite élevée. Non, non, mais deux secondes, on vient de le faire. Faut que du sub tier 3. Récupérer 4 caisses. T'y vas ou quoi? Ouais, vas-y. Je peux le faire sinon, hein. Je sais juste pas où est le bateau. Il est là. Moi je l'ai mis sur un raccourci. Comme ça au moins. Ah, t'as bien raison, putain, vas-y. J'ai mis CTRL 1 et comme ça, si je le cherche, je fais 2 fois 1. Hop, on est au bateau. C'est trop fort, mec. Ok. Non, les abysses, c'est bon. On peut pas la prod à faire là, non? Les bâtiments près des camps de bois. Ouais. Non. Ouais. Ouvrier débloqué. Alors par contre là, il va m'en manquer 2. Ça c'est 25. C'est cher en ouvrier rapidement quand même, hein. Cette affaire là. Très bien. L'income, ça commence à... Tu vois, en faire qu'une, je pense. On est bien en income, ça commence à être pas mal. Ça y est, le savon se vend pour 1 million d'euros le savon. Tu fais des savons? Déjà? Non, mais il se vend ça, okay. À la prison, là, ça y est. 384 le savon, quand même. Oh là là, c'est ouf. Ouais, c'est dingue. Et surtout qu'on va, avoir besoin de stacker un peu, là, bientôt, de la thune. Hein. C'est vraiment the place to wash, quoi. The place to wash, la prison. C'est vraiment l'endroit où t'as envie de te laver, la prison, quoi.
Vraiment pas. Hein. C'est un peu long, ce qu'on n'est pas sûr. Hein. En vrai, pas sûr. On va faire ça et ça. Combien comme ça, ça coûte l'upgrade des filles 4 de bois. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà, oh merde. Je l'ai peut-être un peu upgrade vite celle-là. Bon, c'est pas grave. Ok, la maison, la main d'œuvre, c'est bon. La main d'œuvre, on est pas trop mal. On est très très bien même. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Y'a quoi chez les ouvriers? Ah ouais, l'église, ah ouais, c'est vrai, y'a ça, ça coûte la peau du cul, putain. Ah oui, mais l'église, okay. C'est un énorme problème parce qu'elle prend trop de place. Oui. Ah d'ailleurs, j'ai pas prévu moi du tout pour la suite de la game. Oh, j'ai fait un truc de noob. Non, ouais, t'as pas fait électricité et tout, mais on s'en fout. Tu penses pas qu'on irait jusque là? En fait, si, peut-être, mais si c'est le cas, on fera. Y'a qu'une île qui va s'en servir, donc on s'en fout un peu. Ah ouais, je pense, non? Je crois pas. C'est vrai que moi, en vrai, dans tous les cas, ça va être de jouer. Pour moi, il faut juste que je go poivron. Just go poivron, guys. Just go poivron, fourrure, quoi. Ouais. Et ouais. Après, il y a charbon, cuivre, tout ça, mais on verra plus tard. Ouais, j'aurais pu combiner l'église et le pub, effectivement. Je sais que c'est comme ça qu'on faisait. J'avoue, quand pour faire les canettes, elles vont être faites à une vitesse, alors que d'habitude, c'est trop chiant à faire. Il y a full caisse là. Attends, je ramasse tout. Et je dois les ramener chez toi? Je dois les ramener où? Deux. Les caisses. Les caisses, tu dois les ramener où? Beryl O'Mara. Ah, je sais pas. C'est en cours. Je vais continuer d'explorer chaque recoin de cette map, je ne veux plus un gramme de fog. D'ailleurs, je vais lui dire. L'église apporte pas d'income. Si, si, elle apporte de l'income, ça fait du bonheur. Ah oui, non, mais elle apporte pas d'income de bonheur. Un concurrent a colonisé. C'est pas très grave, honnêtement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, là, il faut de la bière. Ah oui, toi, t'as pris au number one, c'est la pierre. La bière, pardon, la bière. Bien, 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 bien. La bière. La bière avec un B. B comme babar. Ouais, mais alors, la bière, je la produis quand et comment exactement? Ah, c'est artisan. Tu vas te débrouiller. Non. C'est ouvrier la bière, non? Je vois pas la bière là. Mais ce sera après. Il faut que t'atteignes des stades de. Ah oui, vrai, ils ont besoin de bière à partir. C'est à partir de 500 ouvriers. Ah, mais c'est vrai que c'est deux briqueteries pour une briquette. Je me souvenais pas de ça, bordel. C'est vrai? Ouais, c'est deux briqueteries pour un. Pour un stand de briques. Déjà une erreur de mon côté, du coup. Pareil. Déjà deux erreurs de mon côté. Mais attends, du coup. Du coup, on fait ça comme ça et c'est game en fait. Bon, on a l'income positif. Merde. Boum. Ok, bah voilà. Double briqueterie. Ah mais du coup, il manque des ouvriers. Voilà. Ouvriers. Ça, il faut... Putain, il faut 25 briques pour l'église. Horrible. Il faut des mines, Zerator. Bon courage. C'est plus tard. J'ai hâte de voir les tracteurs. Non, mais par contre, c'est vraiment bien qu'on se soit mis dans la... Sur la même ville, ouais, comme ça on avance un peu plus vite. Exactement. Et on avance ensemble. Attends, mais je viens de voir, il y a un nouveau menu de décoration qui s'appelle les embellissements industriels, Kenny. Hein? Et c'est un truc de fou. Attends, mais j'ai peur que ma ville, elle te coûte cher. Quoi? Non, t'inquiète. Non, mais ça, on s'en fout. Embellissement agricole, mais les amis. Pour l'instant, c'est le balançoire, corde à linge. On peut faire des cordes à linge, le jeu est devenu insane. Balançoire, c'est ouf. On revient de loin, les gars. Attends, j'enlève tout ça. Je vais juste faire des balançoires. Un tas de rondins, mais non. Un panneau, c'est insane. Mais il faut que je fasse des CC. Balançoire juste à côté du pub. Cabinet, des cabinets, c'est ouf. Alors, à ce qu'on m'a dit, le travail est fait. Je vais faire deux et deux. Oui. On va faire des porcheries et tout là. Mon petit porte-bonheur. Meule de foin. Ouais. C'est ouf. Ouais, globalement, ouais, je connais ces paroles. Le style de mon pub, laisse béton. On dirait un bâtiment à lui seul, tellement il est insane. Il sera on occupe. Faire un nouvel élevage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai validé. C'est des nouveaux journaux, ça. J'ai pas fait ça. Ça fait quoi? Ah non, c'est juste que ça va commencer. Ok, j'ai cru que j'avais validé sans rien faire. Ah non. Je crois que j'ai pas fait ça. On peut pas valider sans rien faire de toute façon. Je sais que vous êtes occupé, mais j'ai une faveur à vous. Construire un silo dans un élevage porcin. Ah, tu veux dire qu'on peut déjà? Oh ouais. Ok, vas-y, j'accepte. Vas-y.
Combien j'ai de temps pour ça? Relier un silo à un entrepôt, livrer du blé au silo de l'élevage. Oui, bon, c'est bon aussi. c'est bon, j'ai accepté une quête, je croyais qu'il y avait une étape, il y en a 12. Je pensais pas que j'avais accepté un taf en fait. J'ai accepté un travail. Vous avez franchi une nouvelle Je suis maintenant une ville portuaire. Ah, mais il me faut 5 briques. Ah, mais. Adieu. T'es allé chercher la caisse? Non, hein, j'y vais. Non, j'ai j'y vais, j'y vais, ramené j'y vais. Les trucs là. T'inquiète, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Le journal t'annonçait que t'avais accès au silo. Ouais, ouais, c'était ça, c'était bien cela. Ah, mais ça c'est pas construit! Oh! Bah, évidemment que je fais pas de briques. Idiot. Ok, c'est le nouveau DLC, on va faire donc un silo. Je vais faire un silo, Kenny. Insane. Ah, mais ça va, j'ai pas de temps pour faire cette quête. Je fais ce que je veux en fait. On va commencer à faire du blé. C'est énorme. Ah, le pain, c'est vrai que c'est chiant. Ah, oui, alors le pain c'est 2-1-2, c'est ça? Ouais. Les ratios, putain. Les ratios, les amis. Clique sur la porcherie. Un silo stocke du blé de fourrage augmente la productivité de la ferme. Oh! Ok. Ouais, mais ça, ça nique tous les ratios. Hein. Moi, je sais pas si ça va être une vraie bonne nouvelle. Mais en fait, y a pas, il faudrait nous donner un pourcentage exact. Mais ça va être, on l'aura quand il sera fait, le silo, je pense. Peut-être. Ça coûte cher, mec, hein? Ouais, ouais, 10 briques, ouais. C'est ouf. 20 boîtes, 10 briques. Ouais, j'attends pour le faire là. Merci beaucoup pour le tiers 2. Le pain c'est 2-1-2, c'est sûrement la phrase qu'on a entendu le plus dans ce jeu. Ouais. Ouais, j'avoue. C'est non. C'est non. Alors le pain c'est 2-1-2, ouais ouais ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça, ouais. Ah mais il y a le pain, mais putain, mais moi j'ai pas de briques, il me faut plus de briques. C'est perdu là. C'est perdu. Ouais gars, je peux pas jouer là. C'est injouable. Dommage hein, que ce soit perdu si vite. Dommage d'avoir perdu la game là. Alors, ça va commencer à faire loin du pub là, toute cette affaire. Est-ce qu'on s'en fout? Je pense que oui. Hein. Allez, on dit qu'on s'en fout. Oh pitié monsieur, non. Oh il manque du bois. Ah dans une heure. Ah dans une heure. Alors comme d'habitude sur YouTube, les VOD ça va être on va faire une fois toutes les heures. J'avais fait toutes les deux heures, mais là on va faire une fois toutes les heures. Oh j'ai 10 briques, mais j'ai plus 20 de bois. Ah dans une heure. Oh putain, non. Non. Allez, je vais être restreint quand même en place hein. Je me rends compte là hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu cliques sur une ferme de blé. En bas à droite, t'as une petite courbe. Oui, là. Oui, oui, les stats pour le truc. Et ça te dit combien t'as besoin. Ouais, mais je l'ai là aussi. Bah, c'est juste un filtre blé sur l'onglet prod, mais là, c'est pareil. Putain, ça veut dire que là, j'ai 2 briques par minute. Oh. Genre là, on voit que le bois, ça se passe. Et on voit que la laine, ce sera bientôt... Enfin, c'est parfait, mais du coup, les habits, j'ai de l'avance. Alors... Ok, je fais le silo. La hype est totale. On m'a vaccité une nouveauté. Du coup, je te laisse faire, mais... De quoi? On m'a backseat le ratio de prod que donne ce sur quoi tu viens de cliquer. Et bah écoute, j'ai là. J'ai fait le silo. Qu'est-ce qui a marqué? Mais il faut du blé. Productivité plus 100%, ça double. Ah voilà, ok, donc c'est écrit. Parce qu'on me l'avait spoil dans le chat, mais je voulais voir si c'était écrit. Ça double totalement. Ah, ça double! Punaise. Ouais, c'est ouf. C'est oufissime, ouais. Incroyable. Double, ça veut dire que. Ah ouais. Mais par contre, ça. Malade, Par contre, ça double si t'arrives toujours à fournir l'income en blé, ce qui est pas forcément évident. Merci beaucoup, Tino Valik. Oui, mais du coup, il nous faut une île à blé, en fait. Pour les 5 subs. Moi, j'ai du blé. Qu'il faut comme blé. Du blé, moi. Est-ce qu'il y a marqué combien il faut du blé, combien il faut de blé ou pas du tout? Bah, il faut... Là, il y a un chargement, il vient de le mettre. Nouveau succès. DLC stock pour l'hiver, c'est ouf. Livrer du blé de silo, l'élevage porcin. Mais c'est bon. La quête n'est pas validée? Non, pas encore. Dommage. La conso de blé est extrêmement faible, on me dit. Ok. Ouais, mais. Bah, vous dites ça, mais bon. Après, vous dites ça, mais vous jouez à nous, quoi. Ouais, voilà. C'est prêt à partir sous presse. Oh, le journal, j'y vais. Vas-y. C'est un plaisir de vous. Alors, on modifie évidemment. On va aller chercher un peu d'income. Ah, mais du coup, il y a des bâtiments en file d'attente. Donc, on perd une heure du matin. N'est pas toujours l'apanage des corrompus. Voilà. À peu près. Les moutons ne sont pas des porcs.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Mais non, mais là c'est. Ah ouais, là c'est des moutons. C'est pas des porcs. Je me suis trompé. Pardon. Bon, en vrai, ça va monter. Son troisième team. Donc ça fait plaisir. Merci pour les 3 ans de sub. Je suis à Inter. Hein? Non, ça va. Ouais. Bah, il me faut une église, quoi. Ouais, l'église, c'est pas urgent, c'est que du bonheur, hein. C'est pas d'income. Bah, le bonheur égale income, hein. Et non, pas pour l'église. Clique sur les maisons et regarde sur l'onglet église, mouse over le truc, tu vas voir. Ah oui, vrai. Ah, oui, alors vrai. Que la bière. Oui, mais du coup, moi, j'ai pas d'autre vie, en fait. Et ouais, non, mais ça, c'est un vrai problème. Coup, je coûte cher. Du coup, je coûte cher, moi. T'as pas d'autre vie, mais j'ai de l'autre vie, moi. Ah oui, j'ai de l'autre vie, moi. Toi, tu contrebalances, mais pas moi du tout. Et oui. Moi, je coûte cher. Non, mais tranquille, ça va s'équilibrer quand toi, tu feras de la bière. Et alors là. Vous avez franchi une nouvelle étape. Bah, c'est mon rêve. Ce sera le feu quand tu feras de la bière. Moi, la bière, je peux. Mais tu peux en faire la bière, je vois. Ah non, il faut 500 ouvriers. Ah, mais il faut 500 ouvriers en tout. Sur nos deux îles. Ah non, mais c'est bon. Moi, j'en ai. Il manque encore 4 maisons d'ouvriers, je pense. Oh, non, mais vas-y, je m'en occupe. J'y vais. Ouvrier, on va y arriver. On va faire ces deux-là. Voilà. Et. Oui, c'est vrai qu'on peut vendre les excédents. Ouais, faut pas oublier ça. Et voilà, on a la bière. Ok, parfait. Du coup, toi, t'as du blé? Tu vas pouvoir tout faire sur place ou pas? Ah ouais, t'as du blé. Je vais quand même manquer de place. Hein. Tu vas pouvoir tout faire sur place. Ah ouais, tu vas manquer de place à mort même. Ouais, de ouf. Après, il y a un monde dans lequel tu feras plus de bois et je t'en emmènerai, hein, je pense. Ouais, c'est pour en ça truc que je automatique. Ça. D'ailleurs, je pense que je vais m'y mettre tout de suite. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Il te faut un clipper pour ça, il te faut un bateau qui. Ah non, mais on prend le nôtre. Ah oui. En attendant. Ouais. Ok. C'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse un port et tout. Oh là là, on n'est pas arrivé. Hein. Oh non. En plus, entre nos deux îles, il y a les pirates. C'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui. L'acier avant la bière. Non. Oh, mais franchement, pas d'accord avec toi. Nous avez déjà gâté. Photographier briqueterie. Ok. Voilà. Voilà. Photo de fou. photo de dingue là. Pas mal. Et quand tu vas voir la photo. Un grand patron. Et par contre, moi, normalement, j'ai fait le livret du. Ah, mais putain, mais non! Elle voulait que je livre du blé à des porcs et pas à des moutons. Je suis vraiment un abruti. Attends, mais j'hésite à foutre une corporation là, c'est worse. Quel abruti. Ouais, ça coûte 50 d'income. Ah, j'hésite là du coup. Quel bon rang. Et ça me coûterait moins cher en saucisse. Ah, c'est pour ça que vous disiez ça. Je viens de me rappeler ce que vous avez dit là. Vas-y, de la vie. Ah oui, c'est vrai, alors le setup des porcs, c'est quoi? C'est... Je me souviens plus. Non, c'était 1-2, c'était 2-2-1, je crois. Ah, comme ça. Ouais, ça y est, je me rappelle. Ouais, je sais que la bière, c'est trop important, il faut que je m'y mette, j'ai du Hublin. Du coup, on est bien. Ah, c'était comme ça. Le setup des cochons. Ah, du coup, un silo. Mais là, il me faut des fermières. Quoi. C'est vraiment ZZZ, le silo, un peu, hein. Non. Est-ce que c'est full vert là? Attends, ça c'est. À quel moment on. Ah, mais c'est full vert encore là! Oui, c'est bon! Ah, hop. Nécessite le voisinage du bâtiment! Oh, qu'est-ce que c'est chiant de ouf! Ah ouais, le silo il faut qu'il soit juxtaposé au bâtiment, donc des fois ça fait un truc un peu chiant. Ah, des châteaux porcs. Châteaux porcs. Ok, oh, la musique, des fermiers. Ah, mais c'est tout ça dans ce jeu, c'est tout le temps, il te faut plus, mais du coup t'en manques, et du coup t'en refais plus. Et oui. Du coup t'en manques. Trop bien du anneau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le nouveau DLC? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le nouveau DLC? Bah en fait, on va voir. Alors déjà, il y a des silos sur les bâtiments, ça c'est ce qu'on a découvert là, à l'instant T. Et après, bah, y a des lions, on ira voir plus tard, la terre des lions. Kenny. Je t'en supplie, mais en x3, c'est trop lent, même pour les ressources, c'est le feu. Okay, alors, go, là. Mais en x3. On va t'expliquer un truc, si tu avais déjà joué une seule partie de multijoueur d'Anno, tu saurais qu'on ne peut pas modifier le temps en multijoueur. Ce qui est bien dommage, mais c'est non, normal. Non, ce qui est logique, puisqu'il faudrait synchroniser les ordinateurs. Alors, ce qui n'est pas infaisable, mais x3 en multi, ce serait compliqué. Et donc oui, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas possible. Moi aussi ça m'attriste, mais c'est comme ça. Oh, faut qu'elle livre du blé là. C'est bon là? Attends, un blé, une minute, deux,
Oh merci. Merci Spartas pour le tier 3. Adieu. C'est bon là, il y a une charrette là. Pénurie de marchandises. Quoi? Attendez, pénurie de marchandises, ça veut dire que là j'ai un silo qui prend tout mon blé et vous avez dit ça rentre. Il faut peut-être attendre que ça arrive. Laisse le truc tourner un peu. Il faut peut-être attendre un peu que ça arrive. Ah. Parce que parfois ça m'a fait aussi ça, c'est sur les scieries au début, mais c'est juste que le premier chariot était pas arrivé, ça met du temps et tout. Petite flatterie des pirates. Ouais putain c'est vrai. Versatile, vindicative, yes. On est d'accord que les ressources, enfin le blé, tout ça, c'est cloudé. Genre si ils mettent ça dans un entrepôt, oui. On peut le récupérer dans un entrepôt. Oui. Tout cloudé. J'hésite, ouais, je vais essayer de gagner un petit peu de place en optimisant un petit peu l'espace. Achat de parts, ça va pas se faire tout de suite. Ouais, le blé c'est cloudé. Ouais. Quoi, le terme est adapté, j'ai compris tout de suite. L'entrepôt est loin, ça met du temps. Non, mais il est là, c'est bon, regarde. Regarde la distance. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça livre, il décharge. Par contre, il y a un bug, il y a la charrette qui est là. Donc là, double boulange. On go double boulange et puis on verra. C'est 2-1-2. Ouais, je double boulange. Ouais, d'accord. Ah mais le bois, quelle angoisse. Et c'est bon, j'ai fait la quête. Et elle m'a donné quoi? Rien, c'est énorme. Ça valait le coup, hein. C'est juste énorme, là. Alors j'appuie sur... Comment on remet la caméra au nord? Je crois qu'il y avait un bouton pour ça. C'est pas genre N. Non, c'est comme ça, voilà. Parfait. Et des fois, c'est N dans les jeux. Au nord. Clipper prodige de Kaina. Preuve compromettante. Ah ouais merde. Attendez. Il faut le livrer où? Là. Est-ce qu'il veut lui? Quête de récupération. Oui on va le faire aussi. Très bien. Attends là faut que je livre un truc à Kaina. Ton église. Oui mon église. C'est bon. Paf on a l'église. Super. Le bonheur, ça amène quoi exactement alors? Bah, faut que tu m'aies au sauveur. Faut que tu m'aies au sauveur les trucs en question. Ah, le bonheur. Le bonheur, il travaille. Attends. Ça réduit les risques de révolte, c'est tout, non? Oui, et tu sais, tu peux générer des festivals aussi. Ah oui, c'est avec vrai. Le bonheur. Ils sont full heureux, ils vont dans les rues et ils dansent. Fais l'autre quête, ton bateau fait rien. Si, il est là et il amène les caisses. Vous inquiétez pas. J'avais une quête en cours. Oui. Si on s'en occupe. Ça vous plairait? Ouais, oh. 29 minutes, il va se calmer. Festival. Sauve vos dons de magicien. Ah oui, on a des trucs la là. Police et les pompiers. Bon, est-ce qu'on fait des pompiers tout de suite? Franchement, ça va aller les pompiers. Ah non. Ouais, je viens de voir la corde à linge, le cabinet. Ah, c'est ouf, hein. La hype est totale. Je vais claquer un petit cabinet dans la forêt, là. Un petit cabinet dans la forêt. Une petite Putain, les incomes des trucs de pompiers, c'est énorme. Jusqu'à la fin de la game, ce cabinet doit survivre. Bon, il y a de grandes chances que ça arrive, hein. Bah, on sait jamais. Attends. Allez, faites-moi monter tout ça, là. Est-ce que tu peux trade de l'eau de vie ou pas, là? Est-ce que je peux trade de l'eau de vie? Ouais. C'est bon. Je pense que c'est bon. Parce que j'en ai pas mais, du tout. Mais le truc, c'est que là, notre bateau. Ah non, mais on va faire une route. Fais une route entre oui, nous fais deux. Avec une... Je peux le faire? Ouais, fais la route automatique. Et tu prends genre. Je sais pas, tu prends. Je sais pas combien il te faut en fait. Les routes commerciales, c'est où le bouton déjà? Peut-être 20. C'est tout en bas à gauche. En bas, ouais, c'est ça. C'est route. Crée une route. Parfaitement. Entre deux là. Et de là. Port d'enlèvement, port de destination. Je mets à balle et tu me dis si ta vie est nulle, ok? Tu mets à balle genre combien? 80. C'est fait. Ah enfin. 80? Mais pourquoi tu mets 80? Ah oui, en mode tu prends tout ce qu'il y a. Ouais. Ouais, oui. Je prends tout oui. Et puis si c'est la merde, ça remonte pas, tu me dis. Ouais, c'est bien ça.
En tout cas, la route est lancée, ça nous coûte 50 dincom. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et ça coûte 0 d'influence vu que c'est la première. Mais un stock minimum. Non, mais en gros, je vais mettre 2 de stock minimum, un truc comme ça. Augmentez votre stock minimum, je vais mettre 5. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un feu là? Il y a full influence là. On se met bien, hein. Ah ouais, je vois le genre. Je fais une caserne de pompiers donc il y a un feu. Ah, c'est bien les jeux vidéo ça. Ah ouais, j'aurais mieux fait de pas faire de caserne quoi. J'ai toujours pas de caserne, pas un seul incendie. Mais oui, mais ça c'est normal. Et en plus il y a une caserne là évidemment ils sont longs, ils sont loin. Ah mec, il va me falloir du métal pour faire de la bière. C'est tout ce qu'il va me falloir en fait. C'est perdu hein. La concurrence s'est établie sur une île. Hein? Où ça? Quoi? Dans l'ancien monde. Ah oui, juste au-dessus. Quel bouffon, regardez-moi ça. Ah oui, mais d'accord, faut qu'on aille dans le nouveau monde d'ailleurs là. Ouais, c'est pas tout de suite. Je crois que c'est quand on atteint les 1 artisan, non? Ah non, je sais plus. En vrai, Goélo. Oh oui, mais ça, c'est une idée de fou. C'est quoi déjà pour aller en FPS? En FPS, c'est pas Alt, je sais pas quoi là. Pitié. C'est de la pierre qui pèse lourd. Il me faut du métal pour faire la bière. Go coloniser Cap Trelawney. Ah mais c'est vrai qu'il y a ça qui existe. Le Cap Trelawney. Mais on peut pas y aller tout de suite. Je crois que c'est d'abord forcément oui. Le nouveau monde il me semble, non? Oui. Exactement. Ça, je me rappelle les rushs du nouveau monde, putain quel plaisir. C'est CTRL SHIFT R pour être un FPS, mec t'as pas retrouvé tout seul? Je comprends pas. J'y vais. Je comprends pas en fait. Fais un effort. Attendez mais. Chantier naval. Faut que je fasse un chantier naval. C'est 20 briquettes. J'y vais tout de suite. Faut pas quitter l'écran d'entrepôt sans valider stock minimum, si on t'en compte pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Pourquoi ça va cabinet, pas? Cabinet quoi. C'est le cabinet de Shrek. Non, c'est bon là. Hey now. Ok, 25 briques. Ça va être énorme. J'adore contempler ma ville. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Alors, est-ce que le ping c'est bon? C'est bon. Ping. Là, il nous faut du métal pour faire du savon. T'en es où dans le métal, toi? Parce que j'en moi, suis je nulle peux part. T'annoncer d'ores et déjà que c'est loose, hein, je pense. Non, mais en fait, je peux te fournir un max de fer. Si non, mais tu te rappelles, il faut 100 ouvriers, je sais pas quoi. Moi, bon, c'est pas tout de suite, hein. Oui, c'est pas tout de suite. C'est vrai qu'il faut 4 d'acier pour le savon. Mais alors après, ouais, putain, il faut de l'acier. Oh on là peut là l'acheter, là. Hein, sinon. Hein. Ouais, on peut l'acheter pour en faire un peu, pour en racheter. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on peut en acheter pour en acheter. Faire du savon et revendre le savon. Et en fait, on peut quasiment vivre sur le dos des ouais, PNJ, ouais. Tu vois. Je sais, je sais. Bah, de toute façon, après là, on a que 16 000 et on n'a pas encore l'income établi. Donc, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Ouais, moi j'avoue qu'on a plus que 16 000. 150, on peut pas vraiment dire qu'on a de l'income établi parce que. L'income, moi je trouve, c'est un peu tout ou rien. Ouais. La scierie, c'est 200 ouvriers quand même, hein, par usine. 200. Mais c'est comme la savonnerie, ou... mec, les ports là. Savonnerie, c'est 50. Là, le suif, c'est 40. Le fameux ratio 6 aciérie qui arrive. C'est vrai que l'aciérie c'est horrible. Oh là là. C'est que des multiples de 2 je crois, c'est ça. C'est 2, 4, 6. Ouais c'est ça, c'est 2, 4, 6 l'aciérie, putain. Ah. Merci beaucoup pour le sub. Pour les 3 ans de sub. Officiellement, la merde. Attendez, je vais juste... Je vais pas cut cette prod, on va faire ça comme ça. Comme ça, on regarde la prod et on va poser full maison parce qu'on va en avoir besoin. Non mais comment je fais? Là on arrive au stade où je suis coincé, je regarde ma ville, c'est énorme. Ouais c'est ce que je faisais il y a 2 secondes. Est-ce que je fais des saucisses? Peut-être hein. Moi, je vous voulez des saucisses? Non ils veulent de la bière, on fait des bières? Non bah non, on n'a pas de fer. Ah oui. En fait là en gros dès qu'on a problème. De l'acier, boum, go bière tu vois. Ouais. Sachant que qui vend de l'acier déjà? Ah oui, c'est l'autre là. Comment il s'appelle Lui là. Non, c'est pas lui. Vous ne faites que regarder. Celui qui vend de l'acier. Il est pas là?
Ah si, il est là. Non, il est où? Il y est pas? Non, on l'a pas, je crois, découvert en je m'afflige là. Hein? Non, mais il doit être à gauche alors. Je suis en train de rendre une quête là, donc vite fait. Archibald, voilà, c'est ça. Il est où Archibald? Archibald. Ça, c'est une quête de quoi ça? Quand vous avez faim. Récupération. Vraiment, ouais. C'est votre responsabilité. Ouais, je fais ça. Il y a des caisses au-dessus là. Oh putain, vous l'avez pas encore trouvé? Bah ouais, ouais. Parce que c'est Archibald évidemment qui fait le. Qui vend les. Pactage. Qui vend l'acier, je veux dire. Oh, vous m'avez fait peur. Ah. Et merci pour les 4000 balles. Voilà les 4000 balles, c'est énorme. Ouais, là j'en réfléchis. Est-ce qu'on poserait pas un port? C'est 10 000 hein, le port. Hein, en coût. Est-ce que tu poserais pas un chantier naval pour voilier? Est-ce que ça nous servirait? J'ai fait! Déjà? Ouais, j'ai fait, mais il peut faire que des goélettes. Parce qu'il faut faire. Et encore, faut faire des voiles et tout. Parce que les clippers et tout, c'est pas tout de suite. Hein. D'accord. Faut 750 artisans pour des clippers. Là, on est à 800 d'income. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais n'oublie pas que maintenant, il y a un trick qu'on pouvait pas faire avant. C'est que si t'as besoin de faire des voiles et que par exemple, tu as fait deux élevages de moutons et que tu les as prévus pour tes deux filatures pour faire des fringues, oui, tu peux faire simplement un poser deux silos. Et ouais. Voilà. Et du coup, tu rajoutes tes trucs de voile tranquille. C'est tout. Est-ce qu'on irait pas expand au-dessus de Montpellier là avant de se faire voler par un IA? Mais je sais pas si ça vaut le coup. Au nord. Oh, elle est huge l'île en vrai. Enfin, elle est petite, mais elle est cool. Le truc, c'est de ressources, ouais. Le truc, c'est qu'il faudrait acheter l'acier pour y aller. Je sais pas. Ouais. C'est un all-in, hein. Mais c'est. Ah, ça nous permettrait d'avoir double ration là quand même. Avec le raisin en plus pour le champagne investisseur, c'est pas mal, hein. Le problème, c'est qu'on a pas l'acier quoi. Et pourquoi on a 1000 d'income? T'as fait un truc? T'as rajouté. Non, mais je vais regarder. Ah, mais parce que je commence à te livrer des patates! Voilà pourquoi. C'est ça qui s'est passé. On finance. Oh non, mais c'est ce qui s'est passé! Le chat donne 881. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Je pense qu'on est passé de. T'avais zéro de bonheur à tous tes habitants ont des patates. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ouais, parce que là, moi, je rapporte 880 quand même, d'income. Ouais, c'est les résidents. 1865, ils donnent. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je suis hyper rentable. Hein. Je suis hyper rentable. Le pouvoir. Je suis un gars super rentable. L'agnole. Ce mot me tue, l'agnole. Oh, des points d'influence, yes. Bon, du coup, là, faut que j'avance. Moi, le problème, c'est que pour avancer, il me faut du savon. Pour du savon, il me faut du fer. Pour du fer, il me faut ça. Après, oublie pas que tu peux quand même faire un peu plus de tiécar en termes d'ouvriers et tout. Moi, là, je suis en train d'expandre niveau ouvrier, là. Là, je deviens fou, là. Je fais le double. Je double ma pop d'ouvrier, là. Ah, mais moi, j'ai plus la place là déjà. Hein, ah ouais? Mon résidentiel. En fait, je pourrais, mais bon, je vais empiéter sur des terrains dont je vais avoir besoin plus tard. Ouais, normal. Bon, je vais aller vendre. Je suis un peu capé. Là, je pourrais faire 50, après, il me faudrait 70, 170, 270. Il me faut 470 ouvriers. Plus, il me faut 670. 870 ouvriers et je peux faire une porte d'acierie. Ça fait un acier toutes les 15 secondes. Sur mon niveau. Voilà. Paf. Ça livre jusqu'au bout, hein, on est d'accord? Ouais, ça aussi. Parfait. Là, je l'ai envoyé à balle des ouvriers. Il me faut 870 ouvriers. Dès que je vois ça, je pose tout ce qu'il faut pour faire l'acier et voilà, c'est fait sur moi. 870 ouvriers. Je suis en route. C'est que c'est énorme. Alors route. Le problème, c'est que ça y est, on fait plus assez de patates, donc ça va être la giga merde. On va perdre full income. Adieu. Ouais, mais on tempo bien là, ça monte bien quand même. Alors, l'income est calculé comment? Ouais, faut que je m'y remette, quoi. C'est plus 1700 tous les quoi? Toutes les minutes? Toutes les heures? Ouais, je dirais minutes. Ouais, je dirais minutes aussi. D'accord. Surtout en fois 1. Ouais, ouais, j'avoue. On y met tout. D'accord. Donc moi, du coup, je suis en train de... Je t'ai dit, je tempo là, j'essaie d'avancer au max sur les ouvriers. Et je vais juste regarder mes prods pour voir s'il y a besoin de faire un petit peu de saucisse ou quoi. Et là, je vais me retrouver dans la même situation... que d'habitude, c'est tu fais plein d'ouvriers et tu te dis ah mais du coup faut que je fasse des saucisses, ah mais du coup il me faut des fermiers, oui. Du coup faut que j'expande. Exactement. Ah bah ça de toute façon c'est toujours la même chose hein. On se retrouve toujours à pour faire l'un il faut l'autre. Prenez votre temps, je n'ai rien d'autre à faire. Là. Parce qu'il calmer lui hein. Je ramène le truc. Attends, mais il veut quoi là? Bah les petits porcelets. Oui, c'est bon. Je peux peut-être tenter un quartier résidentiel par ici. Je pense pas que je vais utiliser cette zone là. Cette opti patate, ouais, j'optimise les patates à mort là. J'ai pas fini d'ailleurs. Est-ce que je tente un nouveau quartier résidentiel?
je sais pas. Je vais pas avoir le choix, j'ai l'impression. Sinon, je peux expandre celui-ci. Faire une expande un peu mystique. Genre, voyons voir. Ça va jusque là. Du coup, si je fais un marché là, on a un deuxième quartier résidentiel au milieu des pouilleux. Au milieu des pouilleux. On va faire un truc en mode architecte, on va vérifier. On va vérifier la faisabilité. On étudie la faisabilité du projet là. 72 sur 72, très bien. Oh, c'est pour moi. Tiens, des patates. Mon petit porcelet est de retour. Alors donc maintenant, il va se calmer. Alors maintenant, Archibald, il faut trouver Archibald, hein. Où est-ce qu'il peut être ce con? À mon avis, là-bas. Je pense qu'il est... Tu vas me dire ce que t'en penses. Ah merde, comment on ping? À mon avis, il est là. Je pense pas qu'il est là, Archibald. Tu te l'as mis où? Là. Pour moi, il serait là. Ah oui, si ça se tient, ouais. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être d'autre. Ou alors il est là, quel cas ce serait exceptionnel. Contrat avec l'Emporium, c'est livraison. De livraison. Ouais, bof. Hein. Moi je suis jamais chaud en livraison. C'est quoi livraison déjà? C'est genre amenez-moi 4 briques. Ah ouais, c'est relou ça. Ouais, c'est un peu. 5000 balles, c'est pas fou en vrai pour bloquer nos prods. La réalité a fini par vous rattraper. C'est vous, oui, hein. Bon, allez. Faible. En 5 minutes, t'as une autre quête de toute façon. Quasi certain, vas-y. Bien. Tant pis, c'est 8000, mais c'est trop important. Dans notre coffre au trésor. Ça, c'est 3000, mais c'est trop important. Un petit cadeau. Pareil. Ça fait toujours plaisir. Moyen plus, lui, il est vénère, lui. Ça marche? Ça marche. Oh, allez, bim. Comme vous êtes bouffon, sublime. Hein. 5-0. Ah, c'est vrai qu'il faut atteindre, je sais plus combien, genre 80 pour les accords commerciaux, c'est incroyable. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, faut faire mon bateau, il est là. Ouais, j'en ai mis 7. Il faut plus de patates. T'as supprimé des patates de ta ferme. Hein? Non, c'est bon, 72. Oh merde! Merde! Vous auriez pu me le dire! Je déconne! C'est bon. C'est bon, y'a quoi? On va faire ça et faut garder un peu de place pour l'autre. Voilà, parfait, c'est bon. Pouh, ouais, la production de patates là, ouais, 5, 8, mais du coup il faut plus, donc tant mieux, ça va le faire. Mieux vaut cesser le feu avec le pirate, c'est l'équivalent d'un don, mais tu gagnes plus et plus, détruis plus vos bateaux. Ouais, sans deck. Il faut cesser le feu avec les pirates. Attends, je vais le faire là, il y a écrit, chance de réussite, moyen plus. Oh quoi, il était à 0 il y a 2 secondes. Attends, mais je vais le faire. Ça vaut le coup, non, mec. Non, c'est trop tôt. J'ai peur qu'elle m'envoie. Ouais, non, ça va être trop cher, ça va être trop cher pour nous. De toute façon. En fait, le problème, c'est qu'elle va me dire « Ouais, pas de problème, ça coûte 120 000 dollars. » Je vais être là peut-être tout à l'heure. Et là, tu refuses et elle te dit « Ok, moins 14 de répute. » T'es là « Ok, cool. » Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, vaut mieux être sûr. Ah, voilà, Archibald. Dis-moi que ça, c'est Archibald. Oh non, c'est un caillou de merde. Non. Mais donc, il serait juste à côté de nous, alors, Archibald. Incroyable. Bon, on a 1000 d'income, c'est pas trop mal. Okay. Franchement, ils donnent des prix abordables. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que les pirates, ça peut être genre 13 000 et tout. Mais pour l'instant, on a pas besoin d'un cessez-le-feu en vrai. Voilà. Là, je ferais que j'améliore mon port en fait. Parce que je peux pas stacker assez pour l'instant. C'est assez dérangeant. Surtout que là, il nous faut de la thune pour acheter de l'acier à Archibald pour que Kenny aille gérer la B2. Enfin, la B3. Ah, mais mec, tu sais que je termine l'eau de vie avant que la goélette revienne. Et ouais, bah c'est ce que je voulais te demander. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que si elle est passée à un moment où j'avais 2 de stock, c'est logique, tu vois. C'est pour ça que là, j'ai refait. Ah oui, peut-être qu'elle ramène pas 80 à chaque fois. Quoi. Ah non, mais c'est sûr qu'elle ramène pas 80. Là, tu vois, par exemple, il y a 10 dans mes stocks, donc si elle vient. Et c'est pour ça qu'on va avoir des trous d'income, donc tranquille, je vais. En fait, faut que tu surprod. Ouais, faut que je surprod, c'est pour ça que j'ai refait. Mais j'ai refait, hein. Normalement, ça va arriver. Mais comme en même temps, j'ai refait des ouvriers, faut re. Enfin, bref. Compris. À nous, quoi. Nous dans une coquille de noix. À nous dans une coquille de noix, exactement. Ok. Ouais, on contrôle à deux le même pays, exactement. C'est exactement ce qui se passe.
À mon avis, s'il est pas là, par contre, Archibald, il doit être. Je sais pas où. Mais là, tant qu'il reste qui ? C'est le jaune qui a pas expand. Ouais, mais le jaune, il va nous voler l'île hein, à tout moment. Ah, mais le jaune, c'est le l'IA level 1, c'est le nul. Ouais. Du coup, c'est peut-être pas dans ses plans. Après, ça va devenir dans ses plans au bout d'un moment. C'est juste, faut pas. Par contre, elle s'est mis hyper bien, Beryl O'Mara, là, avec sa deuxième île. En vrai, elle est hyper cool. Ah, il y a d'autres places. Ah, il est là! Putain, yes! Il est collé à nous! Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais lui acheter l'acier. Ah oui? Mmh. Oh, il pouvait être que là. Hein. Oh, il a 38 d'acier. Voilà, c'est parfait, c'est parfait! Oh là 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 là! Il reste à peu près 2 spots pour farmer là. Ok, est-ce que je fais de l'acier sur mon île ou pas du coup? Je pense pas pour l'instant. À mon avis, c'est trop. Là, tu vas t'occuper de Montpellier 2 là. Ok. Attends. Je laisse tourner comme c'est du coup mon île. Je vais acheter. Ouais, je pense, non On va tout acheter là. On va faire ça, ça et ça. Il y a plus de place dans les entrepôts. Ah oui, pardon. Je vais upgrade mon fort pour stacker un peu plus. Pourquoi il dit qu'il y a plus de place? Il reste une place, je comprends pas. Capacité de fret. C'est vrai, Archimède, il est exactement à l'endroit où je partais au début. Tu m'as fait. Non, mais là, y'a rien, mec. Enfin, what the fuck. Je suis désolé, mec, je suis vraiment une merde. En vrai, je me serais pas installé sur son île, hein. Donc, t'avais raison. Upgrade ton port. Non, mais attends, on s'en fout, c'est pas pour chez moi, de toute façon. Ok, Kenny sur le bateau, y'a de quoi s'installer. Donc, je suis en train de. Me dis pas que la goélette de Beryl O'Mara, elle est en train d'aller sur l'île pour s'installer. Oh oh. S'il se passe ça, je pète tes plombs, vraiment. Je pense qu'on lui déclare la guerre. Non, c'est bon, ça doit être un transport entre les deux îles. Pas vrai que c'est ça? Ouais, c'est ça, allez hop. Oh, il est si lent notre bateau. On est sur un bateau et on le drop chez eux en mode c'est un touriste. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Le malade que tu peux dropper. On va le mettre. On a une quête en haut là. Il faut bien commencer quelque part. Récupération, on peut faire, mais pas tout de suite. Mais tu peux l'accepter. Vous savez. Ouais, vas-y, de toute façon, on a 30 minutes, ouais, c'est bon, on est bien. Là, il y a notre bateau, mon cher Kenny, qui est en train d'aller vers l'île. Et YouTube, c'est la fin de cette première VOD.